Bonjour Isabelle, Isabelle de Almeida, nous nous trouvons au PCF 21, place Abbé Chandon. Tout à fait. Et j'aimerais que tu nous dises ce que tu veux nous suggérer aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, c'est, je dirais pas le mot rentrée, mais nous allons tenir dans quelques instants une assemblée des communistes de Côte d'Or pour permettre de mettre la barre le plus haut possible dans les mobilisations à venir, Oui. parce que nous pensons que en cette rentrée, il y a un affrontement qui va se jouer très fortement entre les salariés, entre le peuple et le pouvoir, un affrontement très dur, entre le monde du travail et les intérêts capitalistes, affrontement le plus dur de ce qu'on a connu depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Donc la première des urgences, eh ben, comme ce pouvoir en place nous emmène dans une situation politique de plus en plus difficile, de plus en plus dure, il y a une immense riposte à mettre en place. Donc depuis, je dirais en premier cet été, et notamment le discours à Grenoble, je crois que nous pouvons dire que nous vivons des heures assez graves, plutôt très graves. Le chef de l'État a choisi de déshonorer notre pays, de salir les valeurs de la République, en officialisant ce que nous appelons, et nous pesons nos mots, hein, le racisme d'État. Donc déjà, nous lançons un appel aux Côtes d'Or à ne pas tomber dans le piège de la division, dans la haine de l'autre. Cette manœuvre politicienne nauséabonde veut masquer, a pour but de masquer les injustices sociales, de détourner l'attention des gens, des affaires, de connivence entre Woerth, Bettencourt et les milieux financiers, et veut aussi certainement et assurément désamorcer la mobilisation qui grandit contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, Sarkozy et sa bande n'ont que faire de la délinquance et des conséquences. Eux, leur seule sécurité qui compte, c'est la sécurité des grosses fortunes, des marchés financiers. On voit par exemple les millions empochés par le PDG de BNP Paribas aujourd'hui. Quand même, deux chiffres aujourd'hui qui montrent les injustices. 256 000 emplois ont été détruits en France, derrière c'est des hommes et des femmes, et aujourd'hui les 20 plus importantes entreprises du CAC 40 annoncent qu'elles ont accumulé un trésor de guerre de 80 milliards d'euros. Donc on voit bien que dans la droite file de la conférence européenne des 9 et 10 mai, ils ont décidé, le pouvoir en place et le MEDEF, de faire payer la crise au peuple et n'ont tiré aucune leçon de la crise. Alors je pense que ce soir, nous aurons un ton très combatif, nous les communistes, j'en suis plus que certaine, pour être sur tous les fronts. Le premier front, c'est demain, c'est la rentrée scolaire. Nous avons décidé d'aller à la rencontre des parents d'élèves et des enseignants pour pas seulement dénoncer les attaques de plus en plus fortes de la droite sur l'école pour tous. On voit bien que la réforme de Châtel, qu'il essaie de minimiser, ridiculiserait presque le mécontentement des enseignants, elle ne passe pas. Donc nous allons aller demain pour dire aux gens qu'il est possible d'avoir de porter ensemble un projet d'égalité pour la réussite de tous les élèves à l'école. Et puis, un deuxième temps, sans ordre de priorité, c'est le 4 septembre. Nous serons évidemment aux côtés des organisations syndicales, associatives, politiques et de tous les citoyens qui ne veulent pas voir bafouer les valeurs de la République. Donc nous serons avec le Front de Gauche, nous allons pouvoir participer massivement à la manifestation qui aura lieu à Dijon, place d'Arcy, à 14 h. Pour nous, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas que des mots, c'est des valeurs, les valeurs de notre République que nous voulons non pas figer, mais au contraire encore améliorer et développer, au contraire de Sarkozy et de ses sinistres ministres qui, eux, veulent changer de République, veulent changer notre République. Évidemment, la bataille des retraites, les communistes cet été n'ont rien lâché sur cette bataille-là. Au contraire, comme dans les autres départements de France, nous sommes allés à la rencontre des gens pour faire signer, leur proposer de soutenir le projet de loi déposé par les députés communistes et du Front de gauche, pour une réforme des retraites juste et efficace, avec un financement, pour trouver le financement pour le départ à la retraite à 60 ans. Et donc nous avons déjà 2 000 signatures de soutien à cette proposition de loi en Côte d'Or, 100 000 au niveau de la France. La fête de l'humanité va être un moment très fort. Nous invitons tous ceux et celles qui luttent, qui veulent combattre la politique, celle de la droite et du MEDEF, à construire une alternative, à s'en mêler, à venir participer à ce grand moment festif, populaire de solidarité.
Nous pensons que l'autre urgence, c'est celle de construire l'alternative. Nous allons à la fête de l'humanité, à ce moment-là, lancer un grand chantier national avec le Front de Gauche pour un pacte d'union populaire pour changer nos vies. Car nous sommes déterminés en 2012 à débarrasser notre pays de Sarkozy, de la politique qu'il porte, mais nous sommes aussi déterminés à voir enfin la gauche à mettre en œuvre une véritable rupture écologique libérale. C'est pour ça que je dis attention à certains qui, à gauche, pensent qu'il suffirait de surfer sur l'anti-sarkozisme actuel. Déjà, c'est bien de combattre la politique de Sarkozy, mais ça ne sera pas suffisant, ni de commencer à dire que la gauche, elle revient au pouvoir, ne pourrait pas tout faire parce que la crise est là, donc crise oblige, on va minimiser les mesures. Nous voulons permettre à tous ceux et toutes celles qui résistent, qui luttent, de participer et élaborer le contenu de grandes réformes de progrès social. Un projet partagé sur lequel la gauche, les gens, hein, quand je dis la gauche, c'est, oui, c'est les gens, pas que les organisations politiques, devraient s'engager pour 2012. En fait, c'est construire un nouveau front populaire que nous voulons lancer très rapidement, parce qu'il y a urgence à construire cette alternative tant attendue. Merci, c'est un vaste projet. En fait, ça recoupe autant le parti, le PCF, que les citoyens qui sont, tout à fait, qui tout se rallient à ce projet. Ouais. À ce... Nous voulons, comment, tous les gens qui aujourd'hui, on voit bien tous les jours, qui n'en peuvent plus de se dire, mais qui savent pas quoi faire, s'attaquer, oui, aux niches fiscales, aux niches sociales, oui, et on entend que le CAC 40 a des milliards en caisse, etc., que Mme Bettencourt reçoit son chèque de 30 millions d'euros via le bouclier fiscal. Ces injustices, elles apparaissent aux yeux des gens de plus en plus difficiles à vivre. Et nous pensons que dans ces moments de crise comme ça, tout est possible. C'est possible de construire du neuf, comme c'est possible aussi d'aller sur des réponses populistes, hein, oui, bien sûr, dans lesquelles voudraient nous entraîner évidemment Sarkozy et d'autres. Oui. Et donc à nous, alors nous on sent une responsabilité évidemment en tant que militants politiques dans le PCF, mais je dirais à nous les militants de gauche, à dire qu'on a autre chose à proposer dans la démarche et dans les propositions. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien merci à toi.